اليوم أنا جد فخور معتز وأيضا منبهر بما عشته اليوم في هذه المؤسسة، في هذه المؤسسة التفتح اللي أردنا أن نعطي الانطلاقة ديال هذا البرنامج الوطني الفرصة للجميع من هذه المؤسسة لأن لها رمزيتها. هذا المشروع ديال الفرصة للجميع جاء في فترته ومرحلته الثانية إلى حدود 2022 لأخذ بيد الشباب ومواكبتهم وتكوينهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الحياتية للولوج للمجال العملي. هذا المشروع فيه واحد العدد المستويات، أولا المرحلة الانتقالية بين الابتدائي والإعدادي، كيف يمكن أن نواكب هذا التلاميذ لاكتشاف المهن ولتيسير الولوج ديالهم لهذه المسالك المهنية. أيضا المستوى الثاني هو إدخال واحد العدد ديال المضامين ديال المهارات والكفايات الذاتية والحياتية في التعليم الإعدادي وأيضا تجويد هذا التعليم الإعدادي حتى نطور هذه المهارات ونطور شخصيات التلاميذ. Un lancement important aujourd'hui, on lance la deuxième phase du projet Forsa. Un projet qui est lidéré par, bien sûr, le ministère de l'Éducation avec l'appui du gouvernement britannique et un projet qui a déjà vu une première phase avec la modélisation et d'une série d'interventions qui réellement vise à l'amélioration de la qualité de l'éducation, la lutte contre l'abandon scolaire et la possibilité réellement d'améliorer la transition à la vie active des adolescents et des jeunes qui sont réellement les plus vulnérables, qui n'ont pas réellement cette opportunité. Donc la mise à l'échelle des écoles de deuxième chance nouvelle de génération. Alors je suis Philippe Poinceau, le coordinateur résident du système des Nations Unies au Maroc et j'accompagnais aujourd'hui ma collègue, la représentante de l'UNICEF, pour le lancement de cette deuxième phase de ce projet Forsa qui est une magnifique initiative qui s'inscrit totalement dans l'initiative ou dans la stratégie plutôt du secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse à l'horizon 2030. On y retrouve tous les ingrédients de l'émancipation des jeunes, de l'éducation, de l'école de la deuxième chance, de la formation professionnelle, de la participation à la vie économique mais aussi active. Et ce que j'ai vu aujourd'hui est absolument éblouissant avec une dizaine d'ateliers, de professionnels, des jeunes qui sont engagés dans un centre comme celui-là qui, si j'ai bien compris, existe dans chaque province. Et ce projet est là bien pour appuyer cette initiative avec un financement du Royaume de Grande-Bretagne et bien sûr au pilotage, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale avec son équipe. Et je ne peux qu'encourager cette initiative et lui souhaiter bonne chance en espérant qu'elle continue de jouer et d'apporter un impact comme celui que j'ai vu ce matin. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لا شين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.